jour que je suis arrivé à Inzern, je m'en souviens parfaitement, parce que je suis arrivé très en retard, plusieurs mois après ma nomination. J'ai eu un moment très très fort, c'est en regardant une image. J'avais développé une technologie qui permettait de voir des récepteurs dans différents organes et en particulier le cerveau. Et une fois, je suis tombé sur une des images. C'était une des premières expériences que l'on faisait. J'ai dit, c'est fantastique. On a un marquage, on appelait ça comme ça, dans une région bien particulière du cerveau qui est impliquée dans la maladie de Parkinson. Et c'est comme ça qu'a commencé tout un projet de recherche qui a duré pendant 15 ans. On a une chance extraordinaire d'être à l'INSERM, de vivre des moments que personne ne peut connaître. On fait des envieux quand on dit que l'on est chercheur. Et je me sens depuis le début INSERMien. Il y en a qui sont pastoriens, il y en a qui sont normaliens. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas INSERMien. Et quel que soit l'échelon dans lequel nous sommes, on apporte sa pierre, soit sa pierre à une grande découverte, soit sa pierre au fonctionnement même de cet organisme qui est connu dans le monde entier et j'espère qu'il continuera à l'être dans les 50 ans qui viennent.